se trouve au site de Rittles Park. C'est un site de mesure qui est géré par notre groupe et où des mesures ont été effectuées depuis 1976. On se trouve en fait au nord-ouest de la Suisse, près de Saint-Gall et Ville. Donc vous voyez un peu la structure du bassin versant. Donc c'est un bassin relativement vallonné. On voit qu'il y a surtout en fait des prairies, mais aussi une partie qui est couverte par des arbres. Le sujet principal de notre projet, c'est la sécheresse en Suisse. C'est pas un sujet qui a été beaucoup étudié par le passé, parce qu'en fait, c'est assez récemment qu'on s'est rendu compte que ça pouvait vraiment être un problème pour la Suisse, en particulier en 2003, parce qu'on a eu une sécheresse très importante durant l'été 2003. Donc le but de notre projet, c'est vraiment de mieux comprendre les risques de sécheresse et aussi d'étudier des méthodes en fait, pour pouvoir prédire les risques de sécheresse suffisamment à l'avance pour avertir la population. Et donc pour ça, il nous faut aussi évaluer quels sont les différents secteurs de la population qui sont intéressés à ce genre de prévision. On peut bien sûr citer le secteur agricole, tout ce qui a à voir avec la gestion des forêts, aussi possiblement la navigation, donc ça peut être aussi important. Aussi le secteur de la santé, si on considère les impacts sur la température. Ça, c'est le lysimètre. Donc, ça a été installé en 1976. Ça fait 34 ans qu'on fait des mesures avec cet instrument. Donc, on est dans la cave qui se trouve au-dessous du lysimètre. Donc, ça, c'est le lysimètre vu de l'extérieur. Donc, on voit effectivement, c'est simplement un récipient, si on veut, dans lequel on trouve donc, du sol. Et il y a une balance au-dessous de ce lysimètre. Donc, on peut voir en fait quel est le poids mesuré par la balance. Et donc, c'est très sensible. Même des différences minimes peuvent être en fait prises en compte par la balance automatique. Et donc après, à partir du poids du lysimètre et de la quantité de précipitation et de la quantité d'eau qu'on a mesurée qui sort en fait par le lysimètre, ça nous permet de savoir en fait combien d'eau reste dans le sol et combien d'eau s'est évaporée. Parce que quand on parle de sécheresse, ça peut recouper différentes réalités. Donc une partie de la sécheresse, c'est d'abord le manque de précipitation. Mais, par exemple, du point de vue agricole, ce qui est plus important, c'est le manque d'humidité du sol. Et par exemple, pour ça, ça peut être plus important qu'on ait une grosse anomalie au niveau de l'évapotranspiration. Par exemple, en 2003, ce qu'on voit des mesures, c'est qu'effectivement, il y avait moins de précipitations que d'habitude, mais il y a eu aussi beaucoup plus d'évapotranspiration, parce que les températures étaient très élevées, il y avait beaucoup de rayonnement. Par ailleurs, on a aussi un volet du projet qui adresse plutôt la modélisation. Donc, dans quelle mesure on est capable de représenter ces processus avec des modèles existants ou est-ce qu'il faut améliorer les modèles? Donc, effectivement, on a organisé un workshop avec les différents acteurs intéressés à cette question. Et là, on a pu voir que ça répond à un besoin dans la population. La réponse a été très positive et même plus positive que ce à quoi on s'attendait. Donc, on voit qu'en fait, il y a vraiment une reconnaissance de ce problème en Suisse actuellement. Et donc, ça nous encourage encore plus à étudier cette question et à développer cette plateforme prototype. Hein.